allez, je vais voir ce qu'il fait mon collègue là parce que bon, on doit aller partir en patrouille. Alors Jérôme. Alors Jacques, tu viens? Je t'attends pour faire la patrouille là. Hein. Eh ouais? Allez, viens avec moi. Ouais, ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je t'attends en bas pour la patrouille. Hein. Eh ouais, bon, c'est pas grave. Non, on passera un message au COG dans la voiture quand on commencera la patrouille. C'est bon? Ouais. COG de Tango 5, prise de patrouille. Dans secteur Maltix et Doxil sur Courtil. Tango 5 de COG, c'est bien reçu. Prise de patrouille dans ma secteur Maltix et Doxil sur Courtil. Nous vous appelons s'il y a une intervention, à prendre, secteur Doxil sur Courtil. Trop de patrouilles sont sur le secteur Maltix. COG de Tango 5, c'est bien reçu. Tango 5 de COG, vous partez sur Doxil sur Courtil pour un cambrioleur, pour une personne qui vient de se faire cambrioler. COG de Tango 5, c'est bien reçu, on s'y rend le plus vite possible. Tu la pousses la majeure là? Oui. Désolé. Attends, le cambriolage, on ne sait pas s'il est encore sur place. C'est bon qu'il soit sur place, si c'est le même mode opérateur que le petit plan que. Depuis 5 mois. Oh, mais il n'y a plus de monde là. Tu fais gaffe parce qu'on est dans la zone approximative, mais t'as le petit carrefour. Là. J'ai glissé chez vous. Dans le virage, c'était un peu dangereux, mais bon. Et il y en a encore une devant. Voilà, bon, ça va, il n'y a personne. Ouais, elle s'emballe. Calme-toi. tu vas voir qu'on va encore en avoir une dans le lacet suivant. Putain, je peux pas monter sur Toxil. Bon, il y a Chambéry. Bah tiens, hey, je t'avais dit dans le lacet suivant finalement, j'étais pas loin, je suis dans la ligne droite. C'est bon, y'a personne? Chaud. Maintenant il reste juste à trouver le lieu. Donc ça c'est l'école primaire. Bah tiens, c'est là. C'est là. Bah apparemment ouais. Tango, COG de Tango 5 se présente sur les lieux pour cambriolage. Bonjour madame. Gendarmerie de Maltix, qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez de travailler, d'accord, vous travaillez de nuit, d'accord, ok. Là, vous êtes revenu il y a 5 à 10 minutes. D'accord.
Et votre porte a été frais, vous avez retrouvé votre porte grande ouverte comme ça, vous avez rien touché à l'intérieur. De quoi? Vous avez regardé s'il y avait quelque chose, vous avez jeté un œil voir ce qui avait été volé? Ouais, un écran plat. D'accord. Un Mac, un iMac, ok. Après, vous n'avez pas vu d'autres choses? Des bijoux, de l'argent. Vous stockez un coffre-fort? Vous allez regarder s'il manque pas quelque chose. Moi, en attendant, je vais voir pour des renforts. C'est OG de Tango 5, demandons une identification criminelle pour relevé d'empreintes et pour suite de l'enquête sur cambriolage en cours. Enfin, sur cambriolage. Tango 5 de COG, la patrouille ça va bientôt arriver. Allez, on part en renfort à Tango 5 qui est sur place sur un cambriolage pour un relevé d'empreintes. Ils ont pas bien faire eux-mêmes. Ils sont obligés de nous appeler. On est là pour ça. Ouais, mon coco, je suis désolé, mais moi j'ai besoin d'aller le plus vite possible. Et tu sais ce qu'ils ont volé? Télé, ordi, d'accord, ok. COG de identification criminelle, demandons confirmation d'adresse de lieu cambriolage. Est-ce bien d'Auxil-sur-Courtielle, 14 rue de la Principauté? Identification criminelle de COG, c'est bien cette adresse-là, c'est bien cette adresse-là. Ok, merci COG. C'était juste là. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils te remarquent pas. T'as les bleus mais ils te remarquent pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Et tu sais que là-haut il y a un truc là plus haut. Je pense qu'ils vont bientôt faire une descente, les gars. Avec le psy et tout le bazar. Il y a des champs de coke, il y a d'ailleurs un trafic de cocaïne au niveau du champ de maïs, là où tu voyais les traces de passage. Sérieux? Ouais. Et je crois que là, qu'ils vont faire une descente là, le mois prochain. Ouais, t'as un petit coup de sirène. Voilà, pour le fun, si ça servait à rien. Oh là, oh là, oh là, j'ai loupé le virage. Oh là, oh là, oh là. Désolé les amis. J'ai loupé mon virage. COG de identification criminelle se présente en renfort à Tango 5 pour les relevés d'empreintes suite au cambriolage. Je vais me mettre là parce que je peux pas rentrer. Il y a le... Bonjour madame.
C'est l'identification criminelle, d'accord? Donc je vous explique, on va relever des empreintes avec une poudre, d'accord? Voilà, donc vous allez devoir nous laisser faire. Voilà. Merci madame. Mais non madame, on va pas venir manger un poulet, mais elle va nous commander un poulet en plus. Bonjour. Madame, vous êtes sûr que ça va? Ouais, c'est le choc, hein. Ouais, c'est le choc du cambriolage. Bon. Oh bah tiens, là j'ai une empreinte de sang là sur la vitre, elle est fracturée, donc elle est cassée, donc là j'ai une empreinte de sang, j'ai une trace de sang qui est frais, donc qui m'a l'air d'être frais, donc du coup je vais le relever. Voilà, hop. Bon, normalement aujourd'hui on va avoir les résultats des relevés ADN. Ah tiens. Allô? Oui, bonjour, c'est le labo. Oui. Je vous appelle pour. On a reçu les résultats donc des relevés ADN que vous avez fait la dernière fois sur un cambriolage. Donc les traces de sang ont été identifiées à un cambrioleur. Je pense que vous devez connaître de quel réseau je parle. Oui, effectivement, là, celui qui est au niveau de la butte après le champ de maïs. Ouais, c'est celui-là, ouais. Ouais, c'est là. C'est celui-là, ouais. Le groupe Bambou. Ouais. Donc, je vous transmets les résultats dans. Je vous transmets les résultats dans la journée. D'accord? Merci, écoutez, merci bien. Au revoir. Au revoir. Ouais, je viens d'informer le chef. Enfin, le chef. Normalement, il doit être dans son bureau. Toc, toc. Entrez! Bonjour mon lieutenant. Bonjour! Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir un coup de fil du labo et ils ont fait les analyses des relevés ADN de l'intervention du cambriolage. Oui? Et alors qu'est-ce que ça a donné? Et donc du coup on a réussi à identifier l'un des voleurs, des cambrioleurs, et c'est un. Il appartient au groupe Bambou au niveau du. Vous voyez après le champ de maïs là, il y a un truc là. Enfin. Ouais. Ouais, je le vois, ouais. Et bah, là, on devrait faire la descente dans 3 semaines maintenant. Même moins de 3 semaines. Ouais. Et bah, il serait à ce réseau là. D'accord. Bon, bah, je reviendrai le PSIG pour qu'on doit l'arrêter vivant. Merci bien, au revoir. Au revoir mon lieutenant. Bon, donc voilà, un réseau identifié bientôt coulé. Donc ouais, il va falloir qu'on prépare l'intervention. On va aller faire une reconnaissance en hélico, je pense. Ce sera plus discret. Tu m'amènes au niveau du dessus là de la planche. Je vais prendre des photos, par contre je vais mettre encore une petite vue, s'il te plaît. Alors, attends.
base pour moi. Ok, donc là il y a des d'accord. Ok, donc ça c'est l'or là. Ça c'est leur position. L'accès aussi. Mais on pourra aller voir plus haut ce qu'il y a. Ouais, d'accord. Donc, on va peut-être sur le niveau. Vas-y, vous pouvez aller voir plus haut. Ça, c'est les serres. Ça, c'est leurs serres. Donc, il va falloir aussi qu'on les amène ici. Il faudra qu'on y retourne avant quelques jours avant de mettre son hélico. Ouais. C'est pour vérifier que c'est un ami à bouger, qu'est-ce qu'on a dans le bâtiment, si on peut changer leur plan de place. C'est un mois qui sert comme ça, je crois qu'il faut que c'était les 3 mois. Je vais le ramener avec les cheveux.